الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوتي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc aujourd'hui nous continuons l'explication en langue française du livre Min Kunuz al-Qur'an al-Karim, parmi les trésors du Coran, du Cheikh عبد المحسن ابن حمد العباد البدر حفظه الله تعالى الله le protège. On s'est arrêté au hadith, ou plutôt au verset numéro 238. Verset numéro 238 de surat Al-Baqara. قال الله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. Le sens de ce verset est le suivant: soyez assidus au salat, c'est-à-dire, bien sûr, il traduit le salat, c'est la prière qu'on connaît. Donc soyez assidus à la prière, ou aux prières, parce que ici on va voir que c'est dans un premier temps pluriel. As-salawat. Hafidhu ala salawati wa salati al-wusta. Le premier terme c'est pluriel. Et le deuxième terme il va être singulier. Et surtout, la prière médiane. Et tenez-vous debout devant Allah avec humilité. Ça, c'est la traduction du sens du verset. Yaqul al-shaykh fi hadhihi al-aya. في هذه الآية الكريمة الأمر بالمحافظة على الصلوات الخمس وتأكيد المحافظة على الصلاة الوسطى لعطفها على الصلوات وهي من جملتها وعطف الخاص على العام يفيد الاعتناء بالخاص لكونه ذكر مفردا بعد أن ذكر مع غيره. طيب. En fait, le shir va nous donner une règle qui est générale, c'est-à-dire qui est employé au niveau de la langue arabe et ici utilisé bien sûr dans le Coran. Donc toujours, et on le répète, souvent des règles qui sont de manière générale et utilisées dans la langue arabe, on les retrouve bien sûr dans le Coran. Pourquoi ? Parce qu'Allah Azzawajal a fait descendre son livre, son Coran, en une langue qui est arabe et qui est claire. Et donc bien sûr, les procédés de la langue arabe vont être repris ici dans le Coran. Hafidhu ala salawat. Soyez assidus aux prières. Donc ici on voit de toutes les prières. Yani ala salawat al khams, comme il nous dit le cheikh, c'est-à-dire les cinq prières qui sont obligatoires. Les cinq prières qui sont obligatoires. Ça c'est al-murad bis salawat. Al-murad bis salawat, c'est-à-dire ce qui est voulu par les prières. Et ensuite wa salat al-wusta, et la prière médiane. La prière médiane, la prière du milieu. On va voir en fait le terme, qu'est-ce que veut dire le terme al-wusta et d'où il est pris. Ensuite, le shir, il nous dit ta'kid, c'est-à-dire que l'on doit non seulement être assidu à toutes ces prières et être assidu à la prière qui va être citée ensuite, qui va venir après, au niveau de la citation qui va venir après ces cinq prières, et qui est la prière médiane. Et il nous dit pourquoi cela. Pourquoi cela? En fait, c'est un procédé qui est utilisé. Ici, il nous dit le shir, si on traduit la règle qui va nous citer, Raful khas ala al-am. C'est-à-dire l'annexion. La prière ici est annexée, ou on va dire liée. Elle vient après directement. Elle est liée par al-waw. Ici al-waw. Waw al-atf. Tayyib. Donc elle est liée, ou on peut dire aussi annexée. C'est la liaison de ce qui est spécifique à ce qui est général. Et ceci en fait suscite ou va apporter en fait une attention particulière à ce qui est spécifique. Donc pour comprendre cette règle qui est générale, on a simplement à l'appliquer au verset, à ce verset-là. Dans un premier temps, les prières, ça c'est le général. Hada wa al-am. Tayyib. Ensuite, qu'est-ce qu'il vient dans la citation du verset? La prière médiane. On va voir quelle est cette prière exactement. Ça c'est al-khas. Ça c'est particulier. C'est-à-dire qu'on a, Allah Azzawajal ici a spécifié une prière parmi toutes les prières. Donc ça c'est al-khas. Donc le fait d'avoir annexé cette prière-là, à quoi, à toutes les autres prières, ça suscite ou ça apporte en fait une attention particulière qui va être donnée à cette prière-là,
qui va être donnée à cette prière-là. Et on va le voir, d'après la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'importance qu'a cette prière. Et quelle est cette prière ? Donc ça, en fait, c'est la règle. Donc c'est de façon générale, lorsqu'on cite une chose de manière générale, comme ici le jar ou la catégorie des prières, ou le jar des prières, et qu'ensuite on cite une des prières, alors on veut tout simplement dire que cette prière-là, elle va avoir une place bien précise, elle va avoir une place élevée, elle va avoir, comment dire, on doit porter une intention particulière à cette chose-là qui est donc spécifique, et en l'occurrence ici la prière midjan. Voilà ce que veut dire tout simplement la règle. Et c'est un procédé qui est déjà utilisé plusieurs fois dans le Coran. Et aussi pourquoi le shir nous dit l'ikoni dhukira mufradan ba'dan dhukira ma'ghiri, c'est-à-dire qu'elle a été citée, elle est comprise dans le terme as-salawat, les prières, elle est citée lorsque Allah azza wa jalla dit hafidhu 'ala as-salawat, c'est-à-dire soyez assidus aux prières, elle est citée dans un premier temps, elle est comprise dans les prières de façon générale, et ensuite ba'dan dhukira ma'ghiri, c'est-à-dire qu'elle a été citée dans un premier temps, donc de façon générale, et après elle va être citée particulièrement, c'est-à-dire elle va être citée au singulier, c'est-à-dire qu'on va la singulariser au niveau de la citation. Donc automatiquement, ici c'est la prière, wasalat al-wusta, la prière médiane, taïb. Donc je crois que c'est clair. ويقول الشيخ وقد ذكر الله في أول سورة المؤمنين أو المؤمنون جملة من صفات المؤمنين وختمها بقوله والذين هم على صلواتهم يحافظون. C'est-à-dire ici, le shir va nous faire apparaître dans ce verset qui est cité, وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ. Ce verset, il est non seulement présent fi surat al-mu'minun, les croyants, c'est le verset numéro 9, le verset numéro 9, surat al-mu'minun, et il est également présent, ce verset, وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ, le verset également est présent dans surat al-ma'arij, et qui est le verset 34. يقول وكذا وكذا في سورة المعارج وختم بقولي والذين هم على صلاتهم يحافظون et avancer على صلواتهم يحافظون. Donc ici c'est une des particularités des croyants, c'est une des particularités des croyants, et le shir il nous dit que Allah Azza wa Jal dans ces versets là ou dans cette sourate, dans ces sourates, il a cité auparavant plusieurs caractéristiques des croyants. Le croyant, ce nom-là, lorsqu'on dit que la personne est un croyant, automatiquement elle doit le mériter. Elle doit se détacher des autres personnes par des spécificités, par des caractéristiques. Et parmi les plus importantes de ces caractéristiques, pourquoi ? Parce que c'est ce qui a été cité en dernier lieu au niveau de Surat al-Mu'minun et Kadhalik Surat al-Ma'arij. Le croyant, il est assidu à la prière. C'est-à-dire qu'il prie tout le temps la prière à l'heure et qu'il la prie fil jama'a. C'est-à-dire qu'il prie cette prière en groupe à la mosquée. Et de façon continue. Donc le terme yuhafidhun al-muhafaza, c'est quelque chose yadullu ala al-istimrar, c'est-à-dire quelque chose qui est continuel. C'est-à-dire que la personne, de façon continuelle, elle est assidue, elle persévère dans l'application de cette prière-là, comme il le faut, comme elle se doit, à la sunnati nabi sallallahu alayhi wa sallam, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait, c'est-à-dire en conformité avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça fait partie des spécificités des croyants, des caractéristiques des croyants. Les croyants, eux, ils croient, ils persévèrent, ils préservent leurs prières. Ensuite, yaqul al-shaykh wa ikhtalafa al-ulama fil murad bi salati al-wusta ala aqwalin wa asahha annaha salatu al-'asr yadullu li dhalika ma akhraja muslim fi sahihi an ali radiyallahu ta'ala an qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yawm al-ahzab شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا ثم صلاها بين العشاءين بين المغرب والعشاء. طيب. Donc maintenant le shir nous dit qu'il y a eu un ikhtilaf. Les savants ont divergé par rapport au sens de ce verset. Et plus précisément, qu'est-ce qu'a voulu dire Allah Azza wa Jalla par le terme والصلاه الوسطى, la prière médiane. Il nous dit en fait que la plus forte de ces paroles, la plus sûre de ces paroles et dont la vie est le plus apparent, c'est que c'est en fait la prière de Al-Asr, la prière du Asr, Salatul Asr. C'est ça en fait, Salatul Wusta. Et donc, d'après le verset, on va voir qu'elle a une importance particulière, cette prière. Et le shir va non seulement expliquer cela, il va apporter bien sûr des preuves par rapport à ce qu'il dit. Donc on voit ici une explication du Coran par la sunna.
Et ça, comme on avait vu, c'est la deuxième étape, c'est-à-dire la première étape, explication du Coran par le Coran, et ensuite l'explication du Coran par la Sunna. Et donc on voit ici que les savants sont revenus à quoi? À la Sunna, pour expliquer ce terme, et pour expliquer quel était le sens, ou qu'est-ce qui était désigné par cette prière, au Salat al-Wusta. Il va nous apporter une preuve, le cher, dans ce qu'il dit. C'est un hadith qui est rapporté par l'imam Muslim dans son authentique. Et c'est Ali qui parle. Le compagnon qui rapporte ce hadith, c'est Ali, radiyallahu ta'ala anhu. Yaqul, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète a dit, yawm al-ahzab, c'est-à-dire le jour des coalisés. Le jour où il y a eu la bataille avec les coalisés. Sharaluna an salat al-wusta, c'est-à-dire qu'ils nous ont détournés, ils nous ont occupés de notre prière, de cette prière-là, la prière médiane. Et aussi, on va voir donc que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il cite bien ce terme, salat al-wusta. Et ensuite, il dit, salat al-asr. Yubayyin. C'est-à-dire, après avoir cité le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après avoir cité ce terme, salat al-wusta, kama fil ayah, comme c'est cité dans le verset, il dit, salat al-asr. Donc, ça, c'est de manière claire et sans équivoque que al-murad bi salat al-wusta bi hadha al-hadith, salat al-asr. C'est-à-dire la prière du asr. Et ensuite il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, yad'u alayhim, c'est-à-dire qu'il fait une invocation contre eux, contre les mécréants, ceux qui ont combattu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les coalisés qui ont combattu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans cette grande bataille de l'islam. Mala'a Allahu buyutahum wa quburahum nara, c'est-à-dire il dit qu'Allah azza wa jal remplisse leurs maisons et leurs tombes de feu. Allah al-musta'an. Allah al-musta'an. Ça, c'est le doua qu'il a fait à cause de l'acte qu'ils ont commis. Cet acte-là, qu'ils ont en fait détourné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont occupé le prophète sallallahu alayhi wa sallam de sa prière. Il n'a pas pu la prier. Il n'a pas pu prier cette prière à l'heure à cause de sa situation, situation de guerre. Allah al-musta'an. Thumma sallaha bayna al-isha'ayn, bayna al-maghrib wal-isha. C'est-à-dire qu'il l'a prié, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, entre les, ce qu'on a dit, al-isha'ayn, entre la prière du al-maghrib et la prière du isha. Sallaha بين العشاءين بين المغرب والعشاء. Ensuite, ça c'est la première preuve. Une chaîne aussi, une deuxième preuve. وما أخرجوا أيضا عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا. C'est un autre hadith également qui va en fait dans le même sens. C'est-à-dire que les mouchrikoun ont détourné également le prophète sallallahu alayhi wa sallam de cette prière. Là, c'est la prière du asr, donc. Jusqu'à que le soleil est devenu farrat, c'est-à-dire que le soleil il est devenu jaunâtre. Donc c'est au moment où il va se coucher, c'est-à-dire qu'il est prêt de se coucher. Le soleil il devient de cette couleur-là, comme tout le monde le sait. Ou jaunâtre ou rougeâtre, il y en a dans ces zones de couleur. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ سَلَمْ شَغَلُونَا عَنْ صَلَاتِ الْوُسْطَى صَلَاتِ الْعَصْرِ. Donc la même phrase. Il dit ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et donc il dit il invoque donc contre les mécréants, contre les polythéistes, en disant mala'a Allah wa jwafahum wa quburahum nara, c'est-à-dire qu'ils remplissent ajwafahum leur ventre ou leur intérieur wa quburahum nara, et leur tombe de feu. La deuxième preuve, hadith ibn Mas'ud. Et ensuite yaqul wa fi sahih al-Bukhari an Ali radiyallahu ta'ala an qala kunna ma'a an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yawm al-Khandaq فقال ملا الله قبورهم بيوتا وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس وهي صلاة العصر. Donc là aussi encore une autre preuve qui est aussi évidente, qui nous prouve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, يوم الخندق, c'est-à-dire le jour du fossé, cette bataille-là qui est connue, il a dit et nous a prouvé que صلاة الوسطى c'est صلاة العصر. قال القرطبي في تفسير هذه الآية الوسطى تأنيث الأوساط. Donc al-wusta, ta'anith al-awsat. Lorsque tu dis al-awsat, c'est au singulier. Lorsque tu dis al-wusta, ça c'est au féminin. Bien sûr, parce que la prière, c'est féminin en langue arabe. As-salatu ma'a tal-marbout. Taïb. Wa wasatu shay'in khayruhu wa a'daluhu. Il faut savoir que le terme wasat, donc al-awsat ou al-wusta, qui vient du terme wasat, qu'est-ce que ça veut dire au niveau de la langue? L'arabe, ça veut dire wasatu shay'in khayruhu wa a'daluhu. C'est-à-dire la meilleure des choses est la plus juste. La meilleure des choses est la plus juste. C'est ce que veut dire le terme wasat. Donc ici, on va comprendre que salat al-wusta, en revenant en langue arabe, que c'est la meilleure des prières. Khayru wa ardalu.
ومنه قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا وقد تقدم. C'est-à-dire que le shir, en fait, il nous explique ici, donc c'est bien sûr l'imam al-Qurtubi dans son tafsir, il dit que donc, après avoir cité la définition au niveau de la langue arabe, il nous cite un exemple du Coran. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. C'est-à-dire que dans ce verset qui fait surat al-Baqarah, et on avait déjà vu ce verset, et c'est ainsi que nous vous avons placé comme une communauté de juste milieu, c'est-à-dire أَعْدَل, c'est-à-dire la meilleure et la plus juste d'entre les communautés. Et on a expliqué également que cette communauté était la meilleure des communautés. كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ وَخِجَتْ لِلنَّاسِ, comme on l'a expliqué lorsqu'on a expliqué ce verset-là. Ensuite, le shir, il dit والأمر بالمحافظة على الصلاة العصر بخصوصها بعد الأمر بالمحافظة على الصلوات عموما يدل على عظم شأنها. C'est-à-dire donc il revient sur l'explication du verset en lui-même. Il nous dit que le fait qu'elle ait été citée cette prière après qu'Allah Azza wa Jalla a cité les prières de façon générale, toutes les prières, ça veut dire que ça nous prouve et ça nous indique que cette prière est grande et grandiose. ويدل لذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم والذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله ويجوز أن نقول وتر أهله وماله بالنصب يعني بالرفع وبالنصب الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله أو أهله وماله. طيب il va maintenant nous expliquer le shir en apportant une preuve de la sunna sur ce qu'il avance. Il dit en fait que cette prière a en fait un caractère grandiose. Et il nous prouve cela, bien sûr d'après le verset, comme il l'expliquait, et non seulement également, il le prouve par la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en nous rapportant un hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari, et également par l'imam muslim. يقول النبي صلى الله عليه وسلم, le prophète nous dit, الذي تفوته صلاة العصر, celui en fait qui rate, qui va rater, qui va louper sa prière, la prière du Asr, ici bien sûr, Salatul Asr. En fait, sallam khassasa huna bi Salatul Asr, c'est-à-dire qu'il a spécifié que cette prière c'était la prière du Asr. Il a cité ici dans ce hadith la prière du Asr, il n'a pas cité une autre prière. Donc ça prouve également que cette prière-là est essentielle et que cette prière-là est très importante. Ka'annama wutira ahlahu wa ma'lahu. La personne donc qui rate cette prière-là, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire, c'est comme s'il avait. Donc, le terme ici, wutira, qui est bien sûr du verbe watara, et qui veut dire ici, suliba ou nuqisa. C'est-à-dire qu'on le retire, retirer ou bien sûr également ukhiva. On peut traduire aussi, on peut l'expliquer par ukhiva. Yani ukhiva ahlu wa malu. C'est-à-dire qu'on lui retire, on lui prend. On lui prend qui? Sa famille et ses biens. Allah musta'an. Donc, la personne qui rate cette prière-là, qui délaisse cette prière-là, c'est comme s'il avait, on lui avait retiré, on lui avait pris sa famille, et quoi? Et ses biens. Donc tout ce qu'il a en fait dans cette vie d'ici-bas, tout ce qu'il a dans cette vie d'ici-bas, qu'est-ce qui va lui rester si on lui prend bien sûr sa famille et ses biens? Ensuite, il nous apporte un deuxième hadith, An ibn Umar, radiyallahu ta'ala anhu, wa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam, man taraka salat al-asr, faqad habita amalu. Hadha al-hadith rawahu l'imam al-Bukhari. Un autre hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam authentique de Ibn Omar qui est rapporté par Ibn Omar radiyallahu ta'ala anhuma, man taraka salat al-asr, celui qui délaisse la prière du asr, faqad habita amalu, c'est-à-dire que ses actions deviennent vaines, sont vaines à partir du moment où il a délaissé la prière. Taraka, c'est le délaissement ici, le délaissement de la prière du asr, qu'est-ce que ça va induire? Habita amalu, ses actes deviendront vains, seront vains. Allah musta'an. Akhfan nam, ce hadith an Bureyda, c'est le hadith de Bureyda. Yani un hadith, alladhi tafutu salatul asr, ka'annama utira ahluhu wa maluhu. Ça, c'est le hadith de Ibn Omar. Nam. Et le deuxième hadith, qui est simplement rapporté par l'imam al-Bukhari, ça, c'est le hadith de Bureyda, radiyallahu ta'ala anhu. Bureyda. Ça, c'est le hadith, man taraka salatul asr, faqad habita amalu. Nam. ويدل لفضلها مع صلاة الفجر قوله صلى الله عليه وآله وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر. الحديث أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة. Donc ça, c'est un hadith qui est rapporté par
également muttafaqun alayh, rapporté par l'imam al-Bukhari et Muslim, de hadith de Abi Huraira radiyallahu ta'ala anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: yata'aqabun fikum malaikatun bil-layli wa malaikatun bin-nahar. C'est-à-dire qu'il y a des anges qui nous surveillent et qui descendent et ensuite remontent auprès de leur Seigneur. Et donc en fait ici, yata'aqabun fikum malaikatun bil-layli wa malaikatun bin-nahar, c'est-à-dire qu'il y a des anges qui font cela durant la nuit et des anges qui font cela durant la journée. Ils observent ce que l'on fait et ils prennent note de ce que l'on fait. وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاتِ الْفَجْرِ وَصَلَاتِ الْعَصْرِ. C'est-à-dire qu'ils se يَجْتَمِعُونَ, c'est-à-dire qu'ils vont se rencontrer au moment de la prière du Fajr. Pourquoi? Parce que c'est les débuts de la journée. Donc ceux qui ont fait durant la nuit ce travail-là, ils remontent. Et donc ils vont rencontrer bien sûr à ce moment-là les anges de la journée qui eux vont prendre place. وَصَلَاتِ الْعَصْرِ. Donc à ce moment-là, صَلَاتِ الْعَصْرِ va être au moment où bien sûr vont descendre les anges de la nuit et vont remonter les anges du jour. C'est comme ça qu'on comprend le hadith. L'action qui va être ici, ça va être bien sûr salat al-fajr par rapport aux anges de la nuit, et la dernière prière par rapport aux anges du jour, ça va être salat al-asr. Naam. Wa qawlu sallallahu alayhi wa sallam, il nous rapporte encore un autre hadith. Le shir, il nous rapporte encore un autre hadith pour nous prouver l'importance de la prière du asr. Donc bien sûr, il y a la prière, dans le hadith précédent, il y a l'importance de la prière du asr et également de la prière du fajr. Et on va voir qu'elles sont également réunies dans un autre hadith qui va venir. Wa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam, innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamar la tudamun fi ru'yati la tudamun fi ru'yati fa nistata'tum alla tughlabu ala salati qabli tulu'i ash-shams qabla tulu'i ash-shamsi wa qabla ghurubiha faf'alu thumma qara'a wa sabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i ash-shamsi wa qabla al-ghurub وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب أخرجه البخاري ومسلم عن جرير رضي الله تعالى عنه. Donc ça c'est encore un autre hadith qui nous prouve l'importance de la prière du asr. إنكم سترون ربكم, vous allez voir votre Seigneur. Et ça, bien sûr, c'est une chose qui est connue et c'est une parole du prophète sallam. صادق المصدوق. Celui qui nous informe, c'est le prophète. Et il nous dit, de manière claire, avec des termes arabes qui sont plus qu'évidents, vous allez voir, innakum sataraun, ru'ya, c'est-à-dire la vue. Innakum sataraun, rabbakum, vous allez voir votre Seigneur. Donc on va voir notre Seigneur, ça c'est pour les croyants. Ils verront leur Seigneur, et on reviendra sur cette question-là dans les cours de croyance. Kama taraun al-qamar, et même le shir, il va revenir aussi sur cette question de croyance. Une question de croyance où beaucoup de gens malheureusement ont réfuté ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Ils ont réfuté ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. C'est comme ça qu'il faut répondre. Ils ont réfuté ce que le prophète de sa bouche a dit en employant des termes qui sont plus que clairs. Innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamar, comme vous verrez la lune, comme vous verrez la lune. Donc maintenant, si une personne regarde la lune, elle la voit de façon claire. Elle le voit de façon claire. Ce sera ainsi pour les croyants le jour du jugement lorsqu'ils verront leur Seigneur. La tudamun fi ru'yati, yani bima'na la yashtabi'u 'alaykum wa la tartabu fihi aw fiha, yani nisbati ar-ru'ya. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'équivoque par rapport à cela. Ce terme traduit en fait qu'il n'y aura aucune équivoque, il n'y aura pas de doute dans le fait que vous allez voir. Vous ne verrez en fait sans aucun doute, aucune équivoque, vous verrez en fait ce que vous allez voir. C'est-à-dire vous verrez votre Seigneur, et vous le verrez de façon, vous verrez de manière claire, c'est-à-dire qu'il n'y aura aucune ambiguïté dans sa vue. Vous le verrez votre Seigneur de manière claire. La yashtabu alaykum. Fa in istata'tum an la tughrabu ala salat qabla tulu'i al-shams wa qabla ghurubiha faf'alu. Ensuite, après avoir dit cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire qu'il incite les croyants à faire le bien. Tayyib, lorsqu'il leur dit cela, ala min bab at-targhib, ala min bab at-targhib, ala min bab al-wa'd, comme on l'a vu. Ça fait partie d'une promesse que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à ses compagnons, a dit à ceux qu'ils ont cru. Et ensuite, après leur avoir dit ça, il va leur donner une indication, c'est-à-dire, maintenant, si vous voulez voir votre Seigneur, et si vous voulez faire partie des croyants et de ceux qui mériteront cela le jour du jugement, alors à vous de travailler. Et il va leur mettre en évidence ici, où il va citer un travail bien précis, ou un acte bien précis. Fayaqul, al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, si vous pouvez, si vous avez la capacité, qu'on ne prenne pas le dessus sur vous,
c'est-à-dire qu'une chose ne prenne pas le dessus sur vous, quoi que ce soit le temps ou autre, que rien ne prenne le dessus sur vous, par rapport à quoi? Au sujet de quoi? Au sujet de la prière qui se trouve avant Qabl al-Tulu' al-Shams, et bien sûr Salat al-Fajr. Ici, c'est la Salat al-Fajr, Qabl al-Tulu' al-Shams, avant que le soleil se lève. Wa Qabl al-Ghurubiha, avant qu'il se couche. Et ça, bien sûr, c'est la prière du Asr. Salat al-Asr. Fa'f'alu, thumma qara, wa sabbih bihamdi rabbika Qabl al-Tulu' al-Shams wa Qabl al-Ghurub. C'est-à-dire qu'ici, on a une explication également du verset. Une explication par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, du verset. Lorsqu'il nous a dit de prier cette prière-là avant le lever du soleil et avant le coucher du soleil, alors il cite ce verset. « Wasabbih bihamdi rabbik » Donc, chante la louange, lorsqu'on le traduit, chante la louange de ton Seigneur. « Wasabbih bihamdi rabbik » El maqsouduna, bien sûr, c'est la prière, c'est-à-dire prier. Prier, et bien sûr, on sait bien sûr que à l'intérieur de la prière ou durant la prière, nusabbih, naqulu subhanallah al-a'la, etc. C'est-à-dire qu'on va dire bien sûr des tasbih. Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu' ash-shams, c'est-à-dire avant bien sûr que se lève le soleil. Wa qabla al-ghurub, avant qu'il se couche. Donc ça c'est al-maqsoud, c'est la prière bien sûr du fajr et la prière du asr, comme nous l'a expliqué le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Ensuite, le cheikh nous rapporte un dernier hadith par rapport à ce qu'il dit et pour appuyer de manière forte ce qu'il avance. Wa qawlu sallallahu alayhi wa sallam man salla al-bardain dakhala al-jannah, rawahu al-Bukhari wa Muslim an Abi Musa. Hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari et Muslim du compagnon Abu Musa. Yaqul an-nabi sallallahu alayhi wa sallam man salla al-bardain dakhala al-jannah. Al-bardain, donc le maqsoud bil-bardain, c'est salat al-fajr wa salat al-asr. Barday shay ou barday an-nahar wa huma tarafahu, c'est-à-dire que ce terme man salla al-bardain dakhala al-jannah, ça veut dire en fait les deux extrémités de la journée, les deux extrémités de la journée. Donc la première extrémité, c'est avant que se lève le soleil, donc c'est le fajr, et la deuxième extrémité, c'est avant que se couche le soleil, et donc c'est al-asr. Donc à partir de là, on comprend d'après ce hadith que celui qui va prier la prière du Fajr et la prière du Asr, il rentrera au paradis. Donc ça aussi, c'est minbab al-wa'd, c'est-à-dire que ça fait partie des choses où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous incite à faire un acte bien précis qui va susciter l'entrée au paradis. Et il nous dit ensuite le shir, hafizahullah, que le fait qu'on l'a cité ou qu'on l'a appelé al-wusta, c'est-à-dire la médiane, la prière médiane, c'est par rapport en fait au temps. Pourquoi? Parce que l'Asr, avant l'Asr, il y a deux prières. Li'anna qablaha salatayn fil nahar wa ba'da salatayn fil layl. C'est-à-dire qu'avant la prière du Asr, il y a deux prières durant la journée. Et il y a également deux prières après elle. Donc bien sûr, il y a al-fajr wa al-dhuhr, ça c'est avant elle, et après elle c'est al-maghrib wa al-isha. Donc elle se trouve bien sûr au milieu de ces quatre prières. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle al-wusta. Par contre, il nous dit le cheikh, lorsque bien sûr Jibril est descendu et il a appris au prophète sallallahu alayhi wa sallam la prière, il a commencé dans les deux jours, c'est-à-dire qu'il a commencé les deux jours, ça a été deux jours consécutifs où il a appris la prière, il a enseigné la prière au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a commencé en fait par quoi? Par salat al-dhuhr, c'est-à-dire qu'il avait commencé Jibril par la prière du dhuhr. Ça c'est un hadith qui est rapporté par l'imam al-Tirmidhi bisnadin hassan. Donc voilà pour l'explication de ce verset. Ensuite, Yaqul al-Shir, il nous explique le verset numéro 253. Qala Allah Azza wa Jal, tilka ar-rusul faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat wa atayna 'Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhi al-Qudus. Verset 253. Dallat, يقول الشيخ دلت هذه الآية على التفضيل الرسل بعضهم على بعض ومثلها قول الله عز وجل ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا وآتينا داود زبورا. Donc le premier verset qu'il va expliquer, qui est de sourate bien sûr Al-Baqara, c'est le verset 253. Parmi ces messagers, nous avons favorisé certains par rapport à autres. Il en est à qui Allah Azza wa Jal a parlé, Allah a parlé, et il en a élevé d'autres en grade.
À Jésus, fils de Marie, nous avons apporté les preuves et l'avons fortifié par le Saint-Esprit. Donc il nous dit, le cheikh, que ce verset, il indique quoi, de façon claire? Il indique en fait que Allah Azzawajal, il a préféré certains envoyés sur d'autres envoyés. Et il nous rapporte encore un autre verset du Coran, qui fait surat al-Isra, c'est le verset 55. وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَأَتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا. Donc, dans le verset Al-Baqara, c'est Al-Rusul. Et le terme ici, dans le verset Al-Isra, c'est Al-Nabiyyin. Et on avait vu la différence entre les deux, dans les cours de Tawhid. Et parmi les prophètes, nous avons donné à certains plus de faveur qu'à d'autres. Et à David, nous avons donné le Zabur. Zabura, qui est le livre de Daoud. Ici, on a une attestation du Coran qu'Allah Azzawajal a favorisé certains envoyés par rapport à d'autres. Et on va voir en fait qu'on a d'autres versets qui nous disent ou qui nous interdisent de faire des différences entre les envoyés. Donc comment maintenant on va comprendre entre cela et cela? Comment on va comprendre en fait où ces deux types de versets? Le shir lui va nous apporter un hadith par rapport à cela. Mais il faut savoir bien sûr qu'il y a des versets. Et parmi les versets que l'on peut citer, il y a le verset 150 wa fi surat an-nisa innal ladhina yakfuruna billahi wa rusuli innal ladhina yakfuruna billahi wa rusuli wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusuli wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din wa yuriduna an yattakhidhu baina dhalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan واعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. Le sens ou l'explication, le sens de ce verset, ceux qui ne croient pas en Allah et en ses messagers, qui veulent faire distinction entre Allah et ses messagers, qui disent nous croyons en certains d'entre eux mais ne croyons pas en d'autres, et qui veulent prendre un chemin intermédiaire, c'est-à-dire entre la foi et la mécréance, les voilà les vrais mécréants. Ulaika humul kafiruna haqqan. Et nous avons préparé pour les mécréants un châtiment avilissant. Et ceux qui croient en Allah et en ses messagers qui ne font de différence entre ces derniers. Hada wa shahid. Et ceux qui croient en Allah et en ses messagers et qui ne font de différence entre ces derniers. Walam yufarriqu yani walladhina amanu billahi wa rusulihi walam yufarriqu bayna ahadin minhum. Et donc qui ne font de différence entre ces derniers, entre les messagers. Voilà ceux à qui il donnera leur récompense. Et Allah est pardonneur et miséricordieux. Donc maintenant, comment on va comprendre ici, dans le fait ou dans l'interdiction de différencier entre les prophètes, de faire des différences entre les prophètes, et dans le fait de favoriser certains prophètes à d'autres prophètes. C'est-à-dire attester qu'Allah Azzawajal a favorisé, a privilégié d'autres prophètes par certaines choses sur d'autres. Comment maintenant on va comprendre? Il y a ce verset, le shir va directement nous citer en fait un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وأما النهي عن التخيير عن التخيير بين الأنبياء في قوله صلى الله عليه وسلم. Donc التخيير, lorsqu'on dit le terme التخيير, ça veut dire c'est comme le fait de dire لا تقول فلان خير من فلان, c'est-à-dire ne dis pas qu'une personne est meilleure qu'une autre. C'est ça en fait التخيير. مقصود بالتخيير هنا طبعا. وأما النهي عن التخيير بين الأنبياء, c'est-à-dire l'interdiction de dire qu'un des prophètes est meilleur qu'un autre. في قوله صلى الله عليه وسلم. Une parole du prophète صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تخيروا بين الأنبياء. لا تخيروا بين الأنبياء. Donc, qu'est-ce que veut dire cette parole du prophète صلى الله عليه وسلم qui est dans Sahih al-Bukhari wa Muslim? Il dit ne dites pas qu'un prophète, ou لا تخيروا بين الأنبياء, c'est-à-dire ne dites pas qu'un prophète va être meilleur qu'un autre prophète. Ça c'est le sens de la parole du prophète. لا تخيروا بين الأنبياء. Donc, min bab al-takhyir. Yaqulu fi lafdhin lahuma, c'est une version qui leur est propre. La tukhayyiruni ala Musa, c'est-à-dire ne me favorisez pas par rapport à Moussa, par rapport à Moïse, ne me favorisez pas par rapport à Moïse. Ou ne dites pas que je suis meilleur que Moïse. La tukhayyiruni ala Musa. Ça, c'est une autre version de ce hadith qui est apporté par l'imam Bukhari et Muslim. Et donc, cette version-là est commune à eux deux. فمحمول على أنه قبل كان قبل أن يوحي إليه بالتفضيل. Donc, on va maintenant interpréter le shir. Il dit, on va interpréter
cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le fait que l'on dit, que l'on dise que cette parole du prophète, elle a été dite par lui sallallahu alayhi wa sallam avant qu'il lui ait été fait révélation par rapport à la préférence des envoyés par rapport aux autres. C'est-à-dire le verset que l'on étudie et le verset qu'il a cité fi surat al-Isra, surat al-Baqara ou surat al-Isra. Tayyib. Aou, yaqul, ça c'est une façon en fait de comprendre les deux, la parole du prophète et les versets. Aou, hamn al-tafdil ala al-asabiyya, kama huwa sabab al-hadith, wa huwa al-istibab alladhi hasala bayna muslim wa yahudi, qala Abu Sa'id al-Khudri. Et il nous dit, ou alors, si on dit que cela en fait était, si cette parole a été dite même après que le verset est descendu, alors on dit en fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici nous a interdit de faire de préférence entre les envoyés min bab al-asabiyya, min bab al-asabiyya, yaqulu sha'al al-asabiyya. C'est-à-dire que ce hadith là où la parole du prophète elle a été dite à la suite d'un événement qui s'est passé, d'un accident qui s'est passé entre un musulman et un juif. Et c'est un hadith, donc ce hadith là cette version du hadith elle nous est rapportée par Abu Sa'id al-Khudri. يقول بين رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس جاء يهودي فقال يا أبا القاسم ضرب وجهي رجل من أصحابك فقال من؟ قال رجل من الأنصار قال ادعوه قال فقال أضربته؟ قال سمعته بالسوق يحلف والذي اصطفى موسى على البشر قلت أي خبيث على محمد صلى الله عليه وسلم فأخذتني غضبة ضربت وجهه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخير بين الأنبياء الحديث. En fait, ce hadith va nous expliquer quelle est la cause de cette parole du prophète sallam. Il nous explique à Abu Sa'id que le prophète sallam, au moment où il était assis, il lui est venu un juif et il lui a dit: Ya Abu al-Qasim, ô Abu al-Qasim, il y a une personne de tes compagnons qui m'a frappé à la figure. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit qui? Alors à ce moment-là, il lui a dit rajulun min al-ansar, une personne parmi les ansar, un compagnon parmi les ansar. Qala du'uhu fa qala adrabtahu, c'est-à-dire qu'il lui a demandé de le ramener, ou il a demandé qu'on le ramène auprès de lui. Et ensuite, il lui a posé la question. Il va s'assurer bien sûr de ce que dit le juif. Est-ce que tu l'as frappé? Alors maintenant, il va lui répondre directement quelle était la cause. Il lui dit, je l'ai entendu dans le souk, dans le marché, il jurait, il disait, Walladhi stafa Moussa ala al-Bashar. Walladhi stafa Moussa ala al-Bashar. Celui qui a choisi, donc ça c'est un serment que prêtait le juif. Il disait, Walladhi stafa Moussa ala al-Bashar. Celui qui a, par celui, il dit bien sûr, il veut par là Allah, par celui qui a choisi Moïse sur les humains. Voilà ce qu'était son serment. Par celui qui a choisi Moussa sur les humains. Al-Bashar, bien sûr, Al-Bashar c'est tous les humains, sans exception. Qultu ay khabif, c'est-à-dire qu'il l'insulte à ce moment-là. Il lui dit, oh pourriture, si on pourrait le traduire comme ça. À la Muhammad, c'est-à-dire qu'il a choisi Moïse à la Muhammad, c'est-à-dire qu'il a préféré, Moïse a été préféré à Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam, fa akhadhatni ghadabatun. C'est-à-dire qu'il était pris de colère, le compagnon, et il a ensuite frappé le juif à la figure. Fa qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, la tukhayyiru bayna al-anbiya. Donc à ce moment-là, il a dit, la tukhayyiru bayna al-anbiya. C'est-à-dire, ne faites pas de préférence, ou ne dites pas que qu'un prophète est meilleur qu'un autre. Et donc par rapport à ça, le shir nous explique c'est ada min bab al-asabiyya, c'est-à-dire que le fait ou qu'il intervienne en fait un conflit entre des personnes à cause de la préférence qu'ils ont pour un prophète, ça c'est en fait c'est interdit. Et c'est ce qui est traduit par le terme al-asabiyya. Ça ce n'est pas permis, c'est-à-dire de dire nous notre prophète est meilleur que votre prophète, ou de dire l'inverse et qu'ensuite il advienne un conflit entre les personnes à cause de cela. Donc c'est ce qui est en fait interdit. C'est comme ça en fait que le prophète, ou qu'on interprète la parole du prophète, la tukhayyiru bayna al-anbiya. Et ensuite le shir il va nous apporter des preuves par rapport à cela. C'est-à-dire maintenant lorsqu'on dit
هذا مجمل الآية مجمل. Si on revient maintenant au verset Naam pour préciser encore plus, donner encore plus de précision par rapport à ce qui est du التفريق بين الأنبياء و عدم جواز التفريق بين الأنبياء, le fait qu'il ne nous est pas permis, comme on l'a cité dans le verset 150 une sourate An-Nisa, qu'il ne nous est pas permis en fait de faire de différence entre les envoyés. Qu'est-ce que veut dire en fait ici dans le verset? Ça veut tout simplement dire il n'est pas permis de croire à un prophète et de mécroire à un autre prophète. C'est ça en fait le sens. C'est ça en fait le sens du verset qu'on a cité auparavant. Donc هذا من جهة النبوة, هذا من جهة النبوة, c'est-à-dire التفريق لا يجوز من جهة النبوة, c'est-à-dire qu'il ne nous est pas permis de différencier les prophètes par rapport à notre croyance envers eux. Et donc si on regarde maintenant le verset, on voit que le verset 150, إن الذين يكفرون بالله ورسوله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسوله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. Comme on l'avait déjà expliqué, c'était dans les cours de Tawhid, que en fait, المقصود بهؤلاء الذين يكفرون بالله ورسوله, ce sont en fait les juifs et les chrétiens. Et comment cela? C'est-à-dire lorsqu'Allah عز وجل يقول نؤمن ببعض ونكفر ببعض, nous croyons en certains et nous ne croyons pas en d'autres. Tout simplement, c'est le cas des juifs et des chrétiens. Les juifs, ils n'ont pas cru en Jésus et ils n'ont pas cru en Mohammed. Donc ils ont fait différence entre les prophètes, alors qu'ils ont tous été des prophètes d'Allah et des envoyés d'Allah. Et ils ont fait une différence. Ils ont cru en certains prophètes et ils ont mécru en d'autres prophètes. Donc ils rentrent dans le verset par rapport à cela. Donc, فَرَّقُوا بَيْنَ الْأَنْبِيَا مِنْ جِيَةِ النُّبُوَةِ, c'est-à-dire qu'ils ont fait une différence entre les prophètes par rapport à leur croyance envers eux. C'est-à-dire qu'ils ont mécru en certains et ils ont cru en d'autres. Et c'est ça qui est interdit dans le verset. Donc c'est comme ça qu'on va comprendre les versets, tous les versets qui ne permettent pas de faire la différence entre les prophètes et entre les envoyés. Et de même pour les chrétiens. Les chrétiens ont cru en Moïse et ont cru ici en Jésus, mais ils n'ont pas cru en Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils ont fait des différences également entre les prophètes. Alors que les musulmans, ils ont cru en tous les prophètes, vu que le prophète Mohammed est le dernier des prophètes, le prophète de cette communauté-là, ils ont cru en Mohammed comme ils ont cru en tous les autres prophètes. Et il nous est interdit de faire une différence entre ces hommes-là par rapport à leur mission, par rapport à leur prophétie. Si une personne maintenant parmi les musulmans dit que Jésus n'est pas un croyant, ou qui dit que Arfan n'est pas un messager, ou qui dit que Moïse n'est pas un messager, ou quiconque parmi les envoyés d'Allah, alors il devient mécréant. Il devient mécréant. S'il dit cela avec croyance, alors il devient mécréant. C'est-à-dire qu'il sort de l'islam. Donc, ça se rend fi al-iman bi al-anbiya, de croire en tous les prophètes. Donc ça, c'est le maqsoud dans ce verset. Lorsqu'il dit Allah Azza wa Jalla, وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. C'est Allah Azza wa Jalla qui va leur donner leur récompense en ceux qui n'ont pas fait de différence entre les prophètes, qui n'ont pas fait de différence entre ces derniers, qui ont cru en tous les prophètes de Muhammad et tous ceux qui sont venus avant Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, salawatullah ala al-jami'. Amma min bab al-tafdil, c'est-à-dire qu'il y a une préférence faite à certains prophètes par rapport à d'autres, alors ça, c'est-à-dire que ça, c'est présent dans la religion. Et on va maintenant apporter des preuves, le shir va nous apporter des preuves. فَمِنْ أَنْبِيَاءِ مَنْ اتَّخَذَهُ اللَّهُ خَلِيلًا وَهُوَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. Ça c'est surat An-Nisa et c'est le verset 125. Surat An-Nisa et le verset 125. C'est-à-dire que يقول الله عز وجل واتخذ الله إبراهيم خليلا. Et donc à partir de là, c'est une preuve que Allah عز وجل a privilégié Ibrahim de par ce statut Khalil. Khalil qui est en fait celui qui est rapproché, celui en fait qui va être rapproché d'Allah عز وجل. يعني المختص بشيء دون غيره, celui qui va être favorisé, qui va être privilégié par certaines choses contrairement à d'autres. C'est un privilège qui est fait ici. وَنَبِيَّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي أَبْرَأُ إِلَى اللَّهِ أَنْ يَكُونَ لِي مِنْكُمْ خَلِيلٌ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ اتَّخَذَنِي خَلِيلًا كَمَا اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. الحديث رواه الإمام مسلم.
Dans un hadith qui nous est rapporté par l'imam Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous indique que lui aussi, il a été pris par Allah Azzawajal comme Khalil, c'est-à-dire comme, ils le traduisent par ami privilégié, ou quelqu'un qui va être proche, qui va être rapproché d'Allah Azzawajal, qui va être un ami. Inni abrawu ilallahi an yakuna li minkum khalil. C'est-à-dire, le ma'na, inni abrawu ilallahi an yakuna li minkum khalil, inni amtani' min hadha wa unkiruhu. Amtani' min hadha wa unkiruhu. C'est-à-dire, je me défends. Je refuse et je repousse qu'il y ait parmi vous une personne qui soit considérée comme khalil. Et c'est pour ça que dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé, walaw kuntu muttakhidan min ummati khalilan lattakhadhtu Aba Bakr khalilan. C'est-à-dire, si j'avais pris une personne en tant que Khalil, alors j'aurais pris parmi ma communauté, alors j'aurais pris comme Khalil qui ? Abu Bakr. Abu Bakr, j'aurais pris comme Khalil Abu Bakr si j'avais eu à prendre quelqu'un parmi ma communauté en tant que Khalil. Et ça aussi, c'est un hadith qui est bien sûr authentique et qui prouve Al-Fadl, c'est-à-dire le grand, la préférence de Abu Bakr par rapport à cette communauté. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam refuse cela. Et le terme ici Khalil, ce qu'il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, inni abrau ilallahi an yakuna li minkum Khalil. Khalil, bien sûr, le terme Khalil, il vient également aussi, il vient du terme Al-Khalla, ou également du terme Al-Khulla. Pour ce qui est d'Al-Khalla, c'est Al-Haja. Al-Khalla, c'est Al-Haja. Al-Haja. Et ce qu'il veut dire ici, c'est-à-dire que, naha sallallahu alayhi wa sallam, an takun hajatu wa inqita'u ila ghayrillah. C'est-à-dire qu'il ne veut pas que son besoin soit envers un autre qu'Allah Azzawajal, soit envers un autre qu'Allah Azzawajal. Ici, c'est dans le sens, bien sûr, Khalil. فَإِنَّ اللَّهَ تَعَلَى قَدْ اتَّخَذَنِي خَلِيلًا كَمَا اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. Et le terme également ici, Khalil, et ça, c'est lorsqu'on dit فَإِنَّ اللَّهَ تَعَلَى قَدْ اتَّخَذَنِي خَلِيلًا. C'est-à-dire que Allah Azzawajal m'a pris comme Khalil. Ça donc, نص الحديث. وهو الشاهد. Une preuve que le prophète nous informe que Allah Azzawajal l'a préféré lui aussi, comme il a préféré Ibrahim en le prenant comme Khalil, dans ce hadith qui est rapporté par l'imam Muslim. Et marna ici, bien sûr, Khalil, takhadani Khalilan, on a dit, c'est rapproché. Kama takhada Ibrahim a Khalila. C'est-à-dire que Allah Azzawajal m'a pris comme Khalil, comme il a pris Ibrahim en tant que Khalil. Hadith rapporté par l'imam Muslim. Ça fait partie des privilèges. Allah Azzawajal n'a pas fait ce privilège aux autres prophètes. Donc ça, c'est une preuve de at-tafdil, préférence faite. Wa minhum man kallama Allah. كموسى عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل وكلم الله موسى تكليما وقال ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وكنبينا محمد صلى الله عليه وسلم كلمه الله ليلة عرج به إلى السماء. C'est-à-dire que également parmi les préférences qu'a fait Allah عز وجل à ses prophètes, c'est qu'il leur a parlé directement bidun wasit, c'est-à-dire sans intermédiaire. Il a parlé directement. C'est pour ça qu'Allah Azzawajal dit, pour ce qui est de Moussa, et celui qui a été favorisé par cela, Moussa, bin nas al-Qur'an, wa kallamu Allah Moussa taklima, wa kallamu Allah min sifati, c'est-à-dire la parole d'Allah Azzawajal fait partie des attributs d'Allah Azzawajal, wa thabit min al-Qur'an wa sunnah, c'est-à-dire que c'est attesté par le Coran et par la sunnah, et c'est la croyance des pieux prédécesseurs. Qu'Allah Azzawajal a parlé. Et il a parlé à qui ? Il a parlé à Moussa. Donc ça, c'est un privilège. Qu'Allah Azzawajal parle à une personne parmi ses envoyés, ou qu'il parle à un envoyé parmi ses envoyés, sans qu'il n'ait parlé à un autre. Ça, c'est une préférence. Wa kallama Allah Moussa taklima, c'est-à-dire que où Allah a parlé à Moïse de vive voix. Et Allah a parlé à Moïse de vive voix. Donc taklima, ta'kid, c'est-à-dire qu'Allah Azzawajal a bel et bien parlé à Moïse de sa propre voix. De sa propre parole. Ça c'est surat An-Nisa, verset 164. Et le deuxième verset qui est cité, walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbu. Donc il y a également ici une deuxième preuve du Coran qu'Allah Azzawajal a parlé à Moïse. Lorsque Moïse vint à notre rendez-vous et que son Seigneur lui eut parlé. Et également lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est monté au ciel, également durant la nuit, Allah Azzawajal lui a parlé directement. Donc ça aussi, c'est une préférence qui a été faite à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Thumma yaqul al-shaykh wa afdal ar-rusul ulul azm minhum. C'est-à-dire, il nous dit que les meilleurs des prophètes, ce sont ceux que l'on dit ulul azm, c'est-à-dire ceux qui détiennent al-azm. Ulul Azm, bien sûr, Ulul Azm, yani Ashab al-Azm, ceux qui détiennent les auteurs de
du terme al-azm. Al-azm, ça veut dire la volonté. On pourrait traduire par une volonté à toute épreuve ou une détermination, une résolution ferme. Ça, c'est al-azm au niveau de la langue arabe. Afdal rusul ulul azm. Donc ceux qui détiennent une résolution ferme, une détermination, une volonté à toute épreuve. Et ils sont bien sûr de cinq. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Nuh, Noé, Ibrahim, Moussa, Moïse, wa Isa, Jésus. Ils sont de cinq. وقد جمعهم الله عز وجل في قوله في سورة الأحزاب وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. Donc les cinq, ils ont été cités ici. Les cinq, ils ont été cités dans cette sourate, sourate al-Ahzab, et qui est le verset numéro 7. Le verset numéro 7. Lorsque nous prîmes des prophètes leur engagement de même que de toi, c'est-à-dire de toi, Anta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de Noé, d'Ibrahim, de Moïse et de Jésus, fils de Marie. Donc les cinq, ils sont cités. Wa qawluhu fi surati shura, shara'a lakum min ad-din ma wassa bihi Nuhan walladhina awhayna ilayk, wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa, an aqimu ad-din wa la tatafarraqu fih. Ça, c'est surat Shura, c'est-à-dire la consultation, le verset 13. Également, les cinq sont cités ici, dans ce verset. Les cinq sont cités. Il vous a légiféré en matière de religion. Shara'a lakum min ad-din ma wassa bihi Nuhan. Ce qu'il avait enjoint à Noé, ce que nous t'avons révélé, c'est-à-dire maintenant ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, walladhina awhayna ilayk, wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa. Ici, les trois autres sont cités. Et ce que nous avons enjoint à Ibrahim, à Moïse et à Jésus. Établissez la religion et n'en faites pas un sujet de division. Il nous rapporte le shir une parole de Ibn Kathir qui nous dit qu'il y a en fait irtilaf, c'est-à-dire qu'il y a une divergence par rapport à cela, mais que la parole la plus sûre et la plus forte est ce que nous avons cité, c'est-à-dire Ulul Azm, ce sont les cinq. Et bien sûr, Ulul Azm, ce terme, il est cité dans le verset suivant, Fasbir kama sabara Ulul Azmi minar Rusul. Fasbir kama sabara Ulul Azmi minar Rusul. Patiente. Kama sabara Ulul Azm. Comment patienter ceux qui ont une volonté à toute épreuve, ceux qui ont une détermination, une résolution ferme. Minar Rusul, parmi les prophètes. Et ici, c'est parmi les prophètes. Bien sûr, d'autres vont dire ici Bayan al-Jins, Minar Rusul, yani de tous les prophètes. De tous les prophètes. Et eux, ils veulent dire par là que tous ceux qui sont des prophètes, ils ont en fait cette détermination. Donc, ce sont tous les prophètes. Ça, c'est une des paroles des savants. Une parole, un avis de certains savants. Mais en fait, la traduction du terme ou de la particule min ici, minar rusul, c'est en fait min bab tab'ib. C'est-à-dire lorsqu'on traduit min parmi, c'est-à-dire parmi les envoyés. Ceux qui ont été choisis parmi les envoyés et qui ont été désignés comme tels. Et donc, on voit ici également une préférence qui a été donnée à ces cinq parmi tous les autres. Ce sont les cinq meilleurs. Et parmi les meilleurs ou le meilleur d'entre eux, des cinq, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et bien sûr, cette préférence a été faite. Elle était basée sur quoi ? Par rapport bien sûr à leur ahwal, c'est-à-dire par rapport à leur état, et tout ce qu'ils ont fait durant leur vie, par rapport aussi à al-mu'jizat, par rapport au miracle qui leur a été donné. C'est à partir de là qu'il y a eu préférence. Et c'est pour ça que lorsqu'on voit notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, on voit en peu de temps la mission qu'il a accomplie, ce qui a été légiféré du temps et la communauté qui en est sortie. Alors à partir de là, on s'aperçoit en fait que cette préférence elle était basée sur le travail. Cette préférence elle était basée sur ce qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ce qu'il était bien sûr et sur ce qu'il a fait également. Personne n'a pu l'égaler dans sa mission parmi les autres prophètes. Et à partir de là, bien sûr, il a eu cette préférence. Elle était le meilleur des hommes. Il était le meilleur des prophètes par rapport à ce qu'il a fait, par rapport à son acte. Un acte était grandiose en l'espace de 23 ans de mission. Salawatullah wa salamun alayh. Ensuite, le shir va nous rapporter un hadith, ou plutôt un afar, ce qu'on appelle un afar. On peut dire aussi dans le cas du hadith Athar, ala kulli hal, c'est une parole de Abu Huraira. Une parole de Abu Huraira. Ce hadith-là, il le prend de Ibn Kathir. C'est-à-dire, c'est un hadith qui a été cité par Ibn Kathir dans son tafsir. Fi tafsir Ayat al-Ahzab. Ayat al-Ahzab, celui qu'on a vu auparavant. Fayaqul Abu Huraira, khiyaru waladi Adam khamsa, Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isa wa Muhammad, wa khayru Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ajma'in.
Ça, c'est un hadith, ou plutôt une parole de Abu Huraira. C'est pour ça qu'il dit mawquf, mawquf. Et lorsque l'on dit bien sûr mawquf, au niveau du terme, c'est un terme bien sûr, un terme technique qui est employé dans le sens du hadith. Lorsqu'on dit mawquf, c'est-à-dire que c'est une parole d'un compagnon. Donc le hadith al-mawquf, ou l'athar al-mawquf, c'est la parole qui est dite par le compagnon et qui n'est pas élevée au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire qu'elle s'arrête au compagnon, ce qu'on appelle al-mawquf, et qui est le contraire, ou qui vient en opposer al-marfou', al-marfou' qui est élevé au prophète. C'est-à-dire que le compagnon, il va dire que c'est le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui l'a dit. Fayaqul qala as-sahabi qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, hada wa al-marfou'. Donc c'est la différence. Donc c'est une différence qu'il y a à faire. Lorsqu'on dit le hadith marfou', c'est-à-dire que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a dit. Lorsqu'on dit le hadith mawquf, c'est-à-dire que c'est la parole du compagnon. Elle s'arrête, cette parole au compagnon, elle n'a pas été élevée au prophète. Marfou'. Donc ça c'est mawquf, c'est une parole de Abu Huraira, pas une parole du prophète. Et le cheikh va tout simplement nous expliquer que dans cette sanad, c'est-à-dire dans cette chaîne de transmission, il y a une personne, Hamzatu Zayyat, qui fait partie en fait des gens de Min Rijal Muslim, qui fait partie de ceux qui ont été cités dans les chaînes de transmission et qui ont été choisis par l'imam Muslim. C'est-à-dire que l'imam Muslim l'a choisi parmi les hadiths qu'il a cités, c'est-à-dire qu'on le retrouve dans les chaînes de transmission, cette personne-là, ce rapporteur, Hamzatu Zayyat, Tayyib. Certains disent bien sûr qu'il est ba'if. Donc à partir de là, ils ont dit que le hadith n'était pas authentique. Lui, le shir, en fait, il nous dit qu'il nous rapporte la parole de Ibn Hajar al-Asqalani fi kitabi al-taqrib, taqrib al-tahdhib. Et wa yaqul saduq, zahid, rubbama waham. Saduq, c'est-à-dire c'est une personne, c'est un terme également technique. À la kulli hal, au niveau de la science du hadith, quelqu'un qui est considéré comme saduq, son hadith est considéré comme hassan. Yani min qibal al-hassan. C'est-à-dire que son hadith est considéré comme hassan. Une personne qui est considérée comme saduq, il va avoir en fait son hadith qui est considéré comme hassan. S'il est présent, cette personne-là, dans une chaîne de transmission, alors le hadith est considéré comme hassan et non authentique. Pour qu'il soit authentique, il faudrait que tous les gens, yani bien sûr, sahih al-dhatihi, il faudrait que tous les gens ou tous les rapporteurs soient tous fiqat, c'est-à-dire tous un martaba au niveau du ta'dim, taïb. À la kulli hal, ça, c'est ce qui nous explique le shir. Et à partir de là, lui, il voit en fait, sans nous dire directement, mais lorsqu'il cite en fait cette parole-là, il nous dit qu'il est saduq, d'après l'avis de Ibn Hajar, et qu'il fait partie des gens de musulmans. Et ensuite, il va nous dire une autre règle, yaqul wa hadha al-athar mawquf lahu hukm al-raf. C'est-à-dire que certaines paroles des compagnons qui sont la parole du compagnon, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas élevés au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ne sont pas annexés au prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans certains moments, elles prennent hukm al-raf, c'est-à-dire qu'elles, comme si elles avaient été dites par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elles ont en fait hukm al-raf, comme il nous dit le shir. Et ça en fait, on le retrouve dans fil mustalah, lorsqu'on l'explique ou lorsqu'on l'étudie, on voit que certains hadiths qui sont dits par des compagnons, ils ne peuvent être en fait pris du compagnon lui-même. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que c'est pas possible que le compagnon parle sur certaines choses qui sont des choses qui sont bien précises, comme le fait de parler de ce qui va se passer dans le jour du jugement. Ça, ce sont des choses en fait qui sont que le compagnon ne peut parler sauf s'il a entendu du prophète. Sauf s'il a entendu du prophète. Pourquoi? Parce que c'est des choses qui font partie du raïb. Et c'est pas possible qu'un compagnon parle des choses qui font partie de l'invisible et qu'ils disent c'est moi qui le dis, c'est-à-dire c'est moi qui dis des choses, ça c'est impossible. Donc à ce moment-là, si c'est un hadith qui est mawquf, qui s'arrête à la parole du compagnon et qui est authentique, mais que cette parole-là contient ce qui est en relation avec, à titre d'exemple, ça c'est à titre d'exemple, on va voir ici dans le sens du hadith, à titre d'exemple, qui parle en fait de l'invisible, hein, alors c'est pas possible que le compagnon l'ait dit de lui-même et qu'il l'a inventé de lui-même, c'est-à-dire qu'automatiquement il l'a entendu du prophète. Donc c'est pour ça qu'à ce moment-là, même s'il ne dit pas explicitement que c'est la parole du prophète, on va comprendre qu'il l'a entendu du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça qu'on dit là-haut, hukm al-raf. Naqul hukm al-raf. Ou naqul marfou hukman. Marfou hukman. Et c'est en fait la signification que nous donne le shir à partir de là. Et pourquoi il nous dit cela? Il nous dit simplement parce que le fait de dire cette parole-là, khiyaru waladi adam khamsa, donc on va traduire maintenant la parole de Abu Huraira, les meilleurs des enfants d'Adam sont de 5. Et il va citer bien sûr les 5 prophètes: Nuh, Noé, Ibrahim, Moussa, Isa ou Mohammed.
وَخَيْرُهُمْ مُحَمَّدْ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَآلِهِ وَسَلَّمْ أَجْمَعِينَ. Et le meilleur d'entre eux, des cinq, c'est le prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, Muhammad. Et donc, c'est quelque chose que le compagnon Abu Huraira ne peut dire de lui-même. Affirmer une telle chose, sauf s'il l'a pris du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça va rentrer en fait dans ce, que dit, dans ce qu'on dit, marfou' hukman. Donc en fait, ça va être attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam de par le contenu de la parole de Abu Huraira, sachant qu'il ne peut avoir dit, ou ne peut avoir dit cette parole de lui-même. Donc c'est bel et bien une parole qu'il a prise du prophète. C'est ça tout simplement ce que veut dire le shir par walaw hukm al-raf. C'est un terme technique qu'il faut savoir pour comprendre en fait si le shir, on nous dit que ce hadith min qibal al-hasan, c'est-à-dire qu'il va rentrer dans ce qui est hasan, et que ce hadith il a hukm al-raf, alors c'est une parole en fait du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui va être authentifiée. Et donc une preuve dans ce qu'on est en train de parler lorsqu'on dit que les cinq yani ulul azm, ce sont les cinq prophète et que le meilleur d'entre eux c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc tout cela rentre en fait dans le fait que l'on préfère des envoyés à d'autres, qu'on préfère des envoyés à d'autres, et c'est ici al-maqsoud bihadhil aya ou bihadhil ahadith. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.